Bonjour, je m'appelle Océane Mlanao, je suis franco-rwandaise et comorienne. Je suis actuellement conseillère juridique volontaire pour ASFC depuis une année. Mon parcours et mon histoire ont guidé, m'ont toujours dirigée vers les droits humains. J'ai fait un parcours en droit et plus précisément, c'est que je suis très attachée au collectif et dans les questions de droits humains, je pense que si nous nous mettons tous collectivement, nous arriverons à un changement de société. Donc c'est pour ça que je suis engagée pour les droits humains. Les réseaux sociaux sont un formidable outil, notamment dans la lutte pour les droits humains, mais ils représentent un danger parce que quand nous ne sommes pas formés à l'utilisation de ces derniers. Donc c'est pour ça qu'il faut accentuer la sensibilisation aux outils des réseaux sociaux pour éviter les dérives, c'est-à-dire de l'utilisation des contenus inappropriés et la diffusion de contenus qui peuvent mener à des certains types d'harcèlement. Cet atelier était un formidable cadre pour apprendre les dangers des réseaux sociaux dans le contexte malien qui permet d'agrandir mon point de vue. Et cet atelier, c'est aussi l'occasion d'être une remotivation pour continuer dans la lutte pour les droits humains et spécifiquement contre les violences basées sur le genre.